Aujourd'hui, ça suffit pas forcément. Ah, il y en a un peu trop. Très bien joué. C'est encore un autre coup que j'aime bien sur cette surface. Et autant on voit sur le visage de Dinara Safina les marques de l'effort physique, autant on a l'impression qu'Anna Ivanovic est totalement prête. Exactement, c'est ce que j'ai remarqué il y a deux coups. Sans s'affoler. Elle a parfaitement pris son temps, Dinara Safina, pour fixer son adversaire et jouer dans le côté ouvert. Elle revient à hauteur. La Russe, et on s'approche de ces fameux points importants dont vous parliez, Marie. Elle est bonne. Elle est bonne. Ah, elle en croit pas ses yeux parce qu'elle a fait tellement d'efforts. Il y a toute la tristesse du monde là sur le visage de Dinara. Non, mais c'est pas possible ce qu'elle m'a fait. Elle croyait qu'elle sortait. Eh oui. Alors, on a tous cru que Anna Ivanovic en avait mis un petit peu trop, mais regardez ça. Elle espérait, elle voulait sortir, mais... Oui, mais c'est bien d'avoir changé, c'est bien. Elle a pas remis une balle enroulée ou à plat. Elle a rejoué un slice.